li apil, et tout l'autre zami qui sont parlé, li clair, qui ont dit qu'il n'y a pas de bataille avec Jovenel qui m'a dal fini, mais n'a bataille avec blanc raciste. N'a bataille avec eux parce que yo jaloux de Haïti. Et Haïti toujours aidé yo. Nous baillons la France l'argent. Nous baillons les États-Unis indépendance. Nous aidons en pile pays. C'est nous seuls comme pays qui marchons libérer l'autre peuple. Mais nous-mêmes, nous toujours voulu mettre dans l'esclavage. Et je dis à Blanc, nous voulons qu'il Haïti dans sa lié là. Et c'est peut-être ça, M. André Sotil. J'ai été venu avec Matélia, j'ai été venu même pour écraser le pays. Et pays a écrasé. Pas de rien dans le pays qui a marché aujourd'hui. Pas de la loi, pas de institution, pas de rien qui a fonctionné. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire définitivement, c'est nous pour prendre destin en main. Et c'est dans ce sens, ça m'a dit 28, 29, 30 mars qui a vu là. Faut étudiants, jeunes, syndicats, société civile, paysans, petits machins, ouvriers, ouvrières, chauffeurs moto, chauffeurs en général, professeurs, artistes, organisations de base, organisations femmes, politiques, radio, la presse. Il faut que nous prenions responsabilité pour nous descendre sous béton. Pour nous dire qu'il ne pas prendre en provocation blanc avec Jovenel Afrique. Parce que question référendum qui a parlé, question élection qui a parlé, que Jovenel fait mandat, il n'arrive pas à faire même élection pour un Kazek, mais je dis que ce n'est pas constitution Jovenel qui a mis en tête, qu'il a changé, ce n'est pas élection qu'il a fait pour les Haïtiens. Ça veut dire nous ne pas prendre en provocation ça. Et nous avons dit que ce n'est pas 28, 29, 30 mars qui peut montrer la position peuple haïtien. Tout le monde connaît la position peuple haïtien déjà. Tout le monde entend des voix sectaires en deux pays. 28, 29, 30 mars, il y a une autre occasion encore pour le peuple haïtien exprimer. Parce qu'il a demandé le monde dans la rue. Nous mettons le monde dans la rue. Il a tué le monde pour nous. Il a arrêté pour nous. Il a mis le monde dans le marron pour nous. Mais nous faisons résistance. Et c'est ça qui fait que je ne suis pas capable de voir un bois bobo pour l'avocat, M. André et l'autre, qui arrivent à mettre prisonniers politiques 7 février dehors. Mais l'autre prisonnier politique, M. André, font travail pour nous mettre dehors. Et nous voulons comprendre, ce n'est pas la priorité que nous avons prisonniers par rapport à eux-mêmes. C'est que nous pas même. Et c'est ça qui fait que prisonniers ont une liberté à prendre. Mais nous-mêmes, peuple là avec nous et n'a joué une libération. Et c'est dans ce sens n'a dit pays par rapport avec tout Zak Jovenel a posé, par rapport avec tout Zak Bandi a posé. Et maintenant André sur Bayou histoire là qui brise de madame ça. Et yo pas identifié. Ça veut dire yo prend parmi peuple là. Yo prend parmi nous. Histoire ça qui arrive n'importe dans nous. Ça veut dire qu'il faut nous camper. Bagay ça, faut nous stopper. Et seul gens pour nous stopper, c'est le peuple là qui prend responsabilité. Parce qu'on a habitué à prendre responsabilité déjà. Nous bataillons contre Tonton Makout, contre l'armée, contre la police, contre attaché. Nous bataillons contre Chablende. Nous bataillons contre Zam. Nous arrivons à faire victoire sur eux. Je dis, il faut que Jovenel connaisse très clair. Que peuple haïtien pas bat bat. C'est vrai, pays a pris une mauvaise direction. Mais il a mené pays à un éclatement. Il a mené pays à vers un génocide. Et c'est blanc même qui planifie. Et nous avons toujours dit ça. Vous connaissez le mandat Jovenel fini. Malgré vous connaissez le mandat Jovenel fini, vous still qui avez le pouvoir pour faciliter l'affrontement. Pour vous qui tuer l'autre. Pour la démocratie pardonner dans le pays. Pour permettre que le pays arrête dans le fatra qu'il y a. Et c'est ça que vous voulez. Et nous-mêmes, nous prenons responsabilité. Nous
Et c'est ça qui fait lien important. Pour nous dire, bataille contre massacre, là, continue. Bataille contre kidnapping, là, continue. Bataille contre assassinat, là, continue. Bataille contre dit non à provocation que Jovenel a fait nous, sous question référendum, sous question élection, que tout le monde connaît pas possible, condition pas réunie, pas de sécurité, moun bagay 4 nan meyo, yo pas fait Jovenel confiance, Jovenel pas chef, pas de KEP, pas de rien, et puis Jovenel pensait avec peut-être de quelques grains blancs racistes qui ont fait élection. Nous m'a dit, c'est menti, son corps n'est pas gaspillé, parce que Jovenel se croit que pendant le mandat là, le peuple haïtien commence à camper. Malgré qu'il y a un peu de monde qui a participé à l'élection. Mais je dis, pourquoi il n'y a pas à penser que il va le bail peuple ou notre constitution par rapport à la constitution que tout le peuple a fait confiance. Il n'y a pas à penser qu'il va le bail peuple à l'élection pendant que le peuple a dit pas dans l'élection. Gros parti politique, tout le monde qui est habitué avec la question d'élection, il dit non pas dans l'élection. Il y a parlé de 400 partis, 400 partis, 400 grains de monde. Parce que ça n'a pas reconnaître. Je crois qu'il est important. Pour le Nord, Sud, Grandens, Gonaïve, Saint-Marc, Cabaret, Mibalet, Hinch, Miagouane, Jacmel, tout côté, vous devez lever campé, vous prenez responsabilité. Ce n'est pas une bataille que vous pouvez faire pour nous, mais c'est une bataille pour retirer le peuple dans sa ligne. Et ça a lien important pour nous comprendre. Non, limite qu'il y a là, nous pas qu'à battre. Nous pas capable de camper dans la route. Parce que nous plus près que nous plus loin. Et le peuple a dû sortir dans la rue pour relayer Charles Barry de Jovenel. Partout à travers le pays. Tigouave se fait l'avant. Nous bobo pour Tigouave. Et pas facile pour joindre un peuple qui est en misère, l'a chiré l'argent. Et pas facile pour joindre un peuple qui a souffri, il dit qu'il n'a pas besoin de cob. Non, mais je veux dire. Son gros signe. Son signe qui doit augmenter confiance, augmenter détermination. Qui voulait dire que n'a pas sorti côté. Ma fini pour me dire, acteur, dans la société civile, là, dans le secteur politique, là, dans la vie politique là, en général, pendant qu'on a planifié 28, 29, 30 mars, il faut que nous réfléchissions pour nous chiter ensemble, pour nous continuer la mobilisation. Parce qu'il y a une bataille qui carré là. Nous avons une bataille qui carré. Chaque fois que Jovenel cite mon référendum, il fait peuple, il déclare le peuple à la guerre. Chaque fois qu'il cite question élection en condition ça, il déclare le peuple à la guerre. Ça veut dire que c'est Jovenel qui prend le sérum pour le monde. Je ne garantis ça. Il prend le sérum parce que le peuple n'a pas pris défi ça dans le Jovenel. Chaque fois que Jovenel dit référendum, le peuple a dédoublé. Et je demande au peuple haïtien, prends note de tout le monde. Qui entre, petit groupe monde qui entre dans la campagne, ça dans des machins. Ça, on dit, c'est agent référendaire dans la commune, dans le département. Prenez note, notez ça pas qu'à faire partie de monde qui va changer le pays encore. Parce qu'il y a deux blocs dans le pays, il y a deux groupes dans le pays. Il y a un petit groupe qui a pillé le pays, qui a crasé le pays, qui entre dans tout complot avec blanc, et il y a une grande majorité qui dit l'autre pays. Et l'autre pays, ça, n'a pas poté. N'a pas poté parce que nous croyons que les peuples haïtiens souffrent trop. Et nous demandons aux gens dans le quartier populaire. Les gens dans le quartier populaire. Définissez une stratégie pour nous sortir dans l'arrière. Définissez une stratégie pour nous parler avec M. Gang. Pour nous dire la bataille qu'on a fait pour nous. Déposer les armes pour nous quitter une sortie. Suspendre avec kidnapping. Suspendre avec le travail qu'on a fait pour nous brider pour nous ne pas sortir. Je dis à Cité Soleil, soif sortie. La Saline soif sorti, Delma de soif sorti, Matissan, Fontamara Delma, Belin, yo soif sorti. Quitte yo sorti pour exprimer yo. Quitte yo, vin faire bataille pour vous. Bataille de délivrance peuple haïtien. Quitte moun sa yo sorti.
Nous connaissons la cité solaire qui a presque baillé demi million de monde dans l'arrière. Mais qui était sorti pour exprimer yo. Sous pas paix. Sous pas bon bagay avec yo. Sous ap travail pour yo. Qui était sorti. Nous-mêmes, au niveau secteur démocratique là, avec tout comité mobilisation pour respect constitution, nous lançons un message à tout le peuple là. Prends responsabilité. Mobilisation pas seulement 3 jours. Nous mettons accent sur 3 jours. Mais mobilisation pas camper tout autant que Jovenel dans le palais national. Mobilisation pas camper tout autant que Blanc l'a fait une provocation dans le palais de l'élection dans la forme qu'il a parlé là. Il connaît qui j'en pour parler l'élection. Il connaît pour parler l'élection 1, il faut que Jovenel pas là. Pour parler l'élection 2, il faut que tout le monde ait 4 dans le milieu. Pas 4 des malogues là, bon 4. 3, pour parler l'élection, il faut que tout le monde ait exprimé, qu'il a fait campagne de tous côtés. Et 4, pour parler l'élection, il faut que le peuple ait confiance. Il faut que le peuple ait senti qu'il veut l'élection en tout. Nous-mêmes, nous voulons l'élection rapide. Parce que le peuple a avec nous. Nous voulons l'élection. Parce que c'est nous qui allons gagner l'élection. Pas moi-même, mais le peuple a gagné l'élection. Ça veut dire, élection pour élection, c'est nous qui avons intérêt dans l'élection. Ce n'est pas nous-mêmes. Ça veut dire, c'est nous qui avons gagné l'élection quand on a parlé là. Ça veut dire, l'élection qui a parlé, l'élection Champrel, droite et gauche. Qui a parlé, à c'est pas lui. Ça veut dire, si vous voulez l'élection, retirez Jovenel, jeudi. Permettez-nous de faire 4, jeudi. Permettez-nous de mettre la sécurité dans le pays, à jeudi. Demain, nous faisons l'élection. Bon, merci. Bon, merci en pile. Et une fois encore, nous saluer la presse, parler, écrit, télévisé, en ligne. Qui est présent ici dans le local secteur démocratique et populaire, dans 4 conférences de presse, comité mobilisation citoyenne pour respect. Alors, avant de arriver plus loin, je m'a pas annoncé nous que pendant n'a pas les là, pendant n'a pas les conférences de presse là, là actuellement, gagné un huissier Croix-des-Bouquets qui dans prison civile Croix-des-Bouquets et capitaine ont exécuté l'arrêt ordonnance de la cour d'appel de Port-au-Prince qui ordonnait la libération immédiate de tous les prisonniers politiques du 7 février. Pendant ma parole avec vous là, il y a M. Arnel Rémy qui est sous place Croix-des-Bouquets devant prison. Il y a M. Marc-Antoine Maisonneuve qui est sous place devant prison Croix-des-Bouquets. Il y a M. Théophane qui est sous place devant prison Croix-des-Bouquets. Et il y a M. qui est mette dehors, monde qui a été arrêté depuis 7 février 2021 dans affaire. Faux coup d'État, Jovenel qui est accusé d'une série de citoyens. Tout de suite, nous finissons de mettre ça qui est dehors, ça qui est en prison, pour des bouquets au dehors. L'huissier avec tout avocat, il a monté cabaret, parce qu'il y a l'autre monde qui est en prison, cabaret. Et nous saluons le courage de cette composition de la cour d'appel de Port-au-Prince. Qui a rendu cet arrêt ordonnance historique. Nous tous nous déconnaissons. Pas de aucune raison pour te mettre en prison. Pouvoir tes besoins, faire diversion, pour craser la mobilisation qui te doit faire 7 février 2021, qui c'est date du mandat Jovenel Moïse fini, eh bien, nous te joignons un prétexte, nous te faisons une manœuvre, nous arrêtons un bon monde à 2h30 du matin, nous disons que c'est pour l'État qui a préparé, mais à la vérité, c'est des gens qui ont dormi. On en pyjama, on en chemise de nuit. Bref, c'était un véritable complot contre la démocratie. Heureusement, la cour d'appel de Port-au-Prince, saisie à cet effet, a tranché avec un arrêt historique qui a ordonné la libération de tous les prisonniers du 7 février, particulièrement Dr Marie-Antoinette Gauthier, agronome Louis Bidot, M. Claude Veillard et Marie-Louise Gauthier, qui sont haut gradés dans la police, et tout l'autre policier qui t'avait juste à briser, tout l'autre monde qui t'a dormi
et que vous êtes arrêté. Nous espérons que dans les minutes qui viennent, il y a sorti dans la prison pas des bouquets, il y a sorti dans la prison cabaret parce que la décision ça pas capable d'exécuter. Dans cette décision, la Cour dit très clairement que cette décision est exécutoire sur minute, nonobstant toutes les voies de recours. C'est-à-dire, même si le commissaire du gouvernement fait cassation, même si le commissaire du gouvernement fait défense d'exécuter, cela ne peut pas, cela ne doit pas empêcher l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Port-au-Prince. Nous espérons absolument, dans les minutes qui viennent en prison, nous capables de retrouver famille, Zamio, Captain Yo, et nous saluons tout avocat qui a participé dans la bataille, notamment l'ancien bâtonnier de Port-au-Prince, Maître Gervais Charles, Maître Mario Joseph, Maître Maisonneur, Maître Théophin, Maître Axène Joseph, d'accord, Maître Arnel Rémy, tout avocat qui était dans la bataille, et nous-mêmes dans le secteur démocratique là, non seulement nous sommes mobilisés pour devoir avocat nous, puis après nous sommes là, mais l'autre monde, vous êtes là, vous êtes mobilisé pour bataille là, vous êtes voulu féliciter dans notre secteur démocratique. Je dis à nous sommes capables de dire conférence de presse n'a fait jeudi vendredi 26 mars 2021, c'est une conférence de presse pour nous inviter la population à participer massivement, activement, dans trois gros journées de mobilisation nationale qui lancée sur tout le pays. Mobilisation Port-au-Prince, mobilisation dans la ville provinciale. Et je dis à nous contents, parce que nous constatons que c'est tout le peuple haïtien qui est engagé dans la mobilisation pour respect constitution. C'est tout peuple haïtien qui est engagé dans la bataille contre la dictature. C'est tout peuple haïtien qui a bataille pour construction d'un véritable état de droit en Haïti. Bataille ça, ce n'est pas affaire militant politique lié encore. Ce n'est pas affaire groupe politique lié encore. C'est affaire tout peuple haïtien. Et 28, 29 mars, 30 mars, ensemble avec les organisations de la société civile, nous prenons toute disposition pour nous réussir gros journée mobilisation. Ça, on va dire gros journée, gros période mobilisation. Ça. Toute disposition. Déjà prend, société civile là, il y a écrit la police, le Port-au-Prince, nous-mêmes, nous assurons-nous que toute province a manifesté en même temps, c'est-à-dire monde qui est dans la politique, monde qui est dans la société civile, mettez ensemble pour réaliser trois gros journées de mobilisation contre la dictature pour le respect de la Constitution. Parce que nous tous nous connaissons, depuis 7 février 2021, mandat constitutionnel Jovenel Moïse fini. Je vous dis à nous féliciter, pasteur protestant, qui rentrait dans la bataille. Parce que nous connaissons protestants et ils n'ont pas rentré dans le type de bataille ça facile. Ça fait la félicité tout pasteur qui est engagé en première ligne dans cette bataille pour le respect de la Constitution, dans cette bataille contre la dictature. Pasteur Forge, félicitations. Pasteur Bataille, félicitations. Pasteur Vincent, félicitations. Pasteur Janvier, Nego Cap, félicitations. Et nous félicitons tout le pasteur qui est engagé dans la bataille. Jodia, nous constatons tout groupe droits humains dans la bataille. Ouais, RNDDH engagé, CAD engagé, POADH engagé, Ensemble contre la corruption engagé. C'est le peuple haïtien dans sa diversité qui est engagé dans cette bataille pour la démocratie contre la dictature. Nous sommes tout groupe société civile engagé. Nous sommes collectif 4 décembre engagé. Nous sommes groupe syndical engagé. Syndicat professeur, Mérilien, Georges Wilbert Franck, on est tous engagés. Syndicat transport, Duclos Bénissois, tout l'autre monde est engagé. Les groupes paysans sont engagés. Les femmes sont engagées. Et franchement,
nous autres du secteur politique, nous saluons cette mobilisation de la société haïtienne, cet engagement de notre société civile militante dans ce combat pour le respect de la Constitution, dans ce combat contre la dictature. Parce que aujourd'hui, c'est nous tous qui menacés. Jovenel Moïse mettait G9 dans le pays, qui a kidnappé les gens, crasé les gens, qui a assassiné les policiers village de Dieu. Léon Charles va chercher cadavre pour la famille, enterrer dans la dignité. Léon Charles quitte le chien pour manger cadavre policier. Là, il négocie, il met à genoux dans le pied bandit pour qu'il prenne un chat blindé. C'est-à-dire la vie policière n'est pas importante. Les policiers ont aussi leur responsabilité dans cette bataille. Ils ont fait à persécuter les professeurs méridiens, ils parlent pas de répression syndicale. Tout le monde engagé aujourd'hui. Ils ont kidnappé tout le monde. Avant, ils m'ont attendu un reportage. Un journaliste, Radio Caraïbe, fait comme si c'était non. Pourquoi c'est ma guerre sur le Philistin? Son bagage extraordinaire. Le reportage a tellement fait bien. Mais son reportage qui triste, qui douloureux. On madame, ils ont kidnappé avec Maril. Pendant la sortie dans l'enterrement maman Maril, le kidnappé la zone Mariani. Yo violé pendant 10 jours devant Maril. Finalement, yo vend kayo, yo cherché 120 000 $. Yo bail vagabond yo. Yo dit yo pas blaguer tous les deux, son seul y a blagué. Finalement, monsieur a dit blague madame nan. Madame nan à la kayli, li cherché 50 000 $ encore. Li porté bail voyou yo. Bah, kidnappé yo. Yo assassiné Maria. Écoutez, c'est triste. Mais il n'y a pas de